journal vous est offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Les comités de conjoncture économique notent une légère amélioration du franc congolais, ce grâce au respect du pacte de stabilité économique signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Il existe un réseau de proxénétisme qui enlève les jeunes filles à Kinshasa pour les séquestrer et les exploiter sexuellement dans une villa dans la commune de Lancele. L'avenue Itaga dans la commune de Barumbu n'est plus praticable depuis un certain temps. Cette artère qui mène vers le centre-ville est délabrée. Les usagers de cette avenue ont lancé un SOS aux autorités. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le premier ministre sortant, Ilunga Ilunkamba, a présidé mercredi 24 mars la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique pour examiner la situation socio-économique du pays durant la période portant du 12 au 19 mars 2021. Il se dégage de cette rencontre que sur le plan national, notamment en ce qui concerne le marché d'échange, les CCE notent une légère amélioration du franc congolais, ce grâce au respect du pacte de stabilité économique signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Suivez le compte-rendu avec le VPM Jean-Baudouin Maillot. Nous avons noté une stabilité du taux du franc congolais par rapport au dollar américain, tant à l'officiel qu'au parallèle. Et cette stabilité s'observe depuis plusieurs semaines déjà. Ce qui nous conforte à dire que le cadre macroéconomique est demeuré stable. Très encourageant. Je crois que, à l'officiel, le franc congolais s'est échangé au 19 mars à 1980,5 contre 1 dollar américain. Et au parallèle, c'est 2015,3 francs congolais le 19 mars 2021 contre 2019,5 le 12 mars. Il y a eu stabilité, sinon même légère amélioration de notre devise nationale par rapport à la devise étrangère américaine, le dollar. Ceci est le fruit des efforts conjugués tant par la Banque nationale, la Banque centrale, et par le gouvernement de la République. Dans l'actualité également, coopération parlementaire agissante entre la Grande-Bretagne et la RDC a été évoquée au cours du tête-à-tête entre l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, Boltman, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampwanga. Suivez ces propos recueillis par Lievin Lezolo. Alors, merci. J'ai échangé avec le nouveau président de l'Assemblée nationale sur le programme de travail de cette session. Les projets de loi qui sont déjà devant l'Assemblée, mais aussi d'autres projets qui sont attendus du nouveau gouvernement. Donc on a échangé sur cela. Nous sommes un grand partenaire de la RDC, surtout dans tout ce qui est le renforcement des institutions et la démocratie. Donc notre partenariat avec l'Assemblée nationale va continuer. Il était heureux d'avoir ma visite et de pouvoir échanger sur les défis du pays, mais aussi sur l'accompagnement de la Grande-Bretagne à la RDC. Alors, j'espère qu'on peut nourrir notre relation et notre partenariat. Et j'espère que l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, en fait
peut continuer le travail pour servir la population, pour être une institution qui fait de bon travail pour que la population est prospère et saine et en paix. Affaire vente d'armes et autres munitions de guerre à l'Est, les 13 personnes inculpées, dont le FARDC et des agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ont été transférées à Kinshasa, précisément à la prison militaire de Ndolo. Lievaluzolo pour les détails. Ils sont au total 13 personnes à être inculpées dans l'affaire des ventes d'armes et munitions des forces armées de la République démocratique du Congo à l'Est du pays. L'auditorat militaire supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a dressé une liste constituée majoritairement des officiers des FARDC, y compris les agents de l'ICSN commis à la protection des parcs. Toutes les personnes inculpées sont transférées à la prison militaire d'Ndolo à Kinshasa. Cette rocambolesque affaire a débuté lorsqu'un réseau de trafiquants d'armes avait été démantelé par les services de sécurité en ville de Beni au Nord Kivu le lundi 15 mars 2021. Parmi les personnes arrêtées, aussitôt figuraient notamment des officiers supérieurs des FARDC ainsi que des éco-gardes. Ces derniers avaient été interceptés avec une cargaison de munitions retrouvée dans une maison d'un particulier en ville. Deux officiers supérieurs de la 32e brigade des réactions rapides des forces armées de la République démocratique du Congo ont été arrêtés le vendredi 19 mars par les magistrats de l'auditorat supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. C'est dans le cadre des enquêtes récemment lancées sur cette affaire que ces deux officiers supérieurs ont été interpellés. Après son audition par les magistrats de l'auditorat supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu basée à Beni, les commandants en second en charge de l'administration et de la logistique de la 32e brigade de la réaction rapide des FARDC avaient été placés en garde à vue. Selon les sources judiciaires, il était reproché à cet officier supérieur de l'armée la négligence coupable dans la gestion du dépôt d'armement de la 32e brigade des FARDC basée à Mambasa au sud de Beni. Instant coronavirus, d'après le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, du mercredi 24 mars, publié ce jeudi par les comités multisectoriels de la riposte à la COVID-19 au pays, sur le 253 échantillons testés, 65 nouveaux cas ont été relevés, dont 24 au Nord Kivu, 20 à Kinshasa, 16 au Congo central et 9 dans le Haut Katanga. 69 nouvelles personnes sorties guéries de centres de traitement de la COVID-19 et du groupe de personnes suivies à domicile, dont 35 à Kinshasa et 34 dans le Nord Kivu. Ce qui ramène le nombre de personnes guéries à 25 355. Ici est de noter qu'aucun nouveau décès n'a été enregistré parmi le cas confirmé, le bilan restant de 728 morts depuis les débuts de la pandémie. On rappelle, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 27 729, dont improbables. Au total, il y a eu 726 décès et 25 355 personnes guéries. Rencontre ce vendredi 26 mars entre la République démocratique du Congo et la Guinée pour renforcer la résilience et la riposte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique. La RDC et la Guinée ont convenu d'une rencontre de haut niveau sur la riposte contre Ebola en Afrique qui aura lieu ce vendredi 26 mars 2021. D'après la note du département d'État des États-Unis, la réunion va examiner les progrès accomplis dans les renforcements des capacités des sécurités sanitaires en Afrique de l'Ouest et dans la région du Grand Lac depuis 2014. La réunion va débuter en Kinshasa à 14h et sera ouverte aux médias exclusivement en mode de visualisation et d'écoute. Rappelons que la RDC a déjà enregistré 11 épidémies d'Ebola. Le pays a connu récemment une résurgence de l'épidémie dans sa partie orientale. Mais la Guinée a été l'un des trois pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola dès 2014-2016 en Afrique de l'Ouest.
Je le disais en titre, existence d'un réseau de proxénétisme qui enlève les jeunes filles à Kinshasa pour les séquestrer et les exploiter sexuellement dans une villa dont la commune de Lancel. Lievin Louzolo nous en dit plus. Elles sont enfermées et exploitées sexuellement par des visiteurs en échange d'argent. L'une des victimes vient de les dévoiler à nos consoeurs du site d'information pour Elle Info. Cette jeune fille qui a requis l'anonymat a été jetée au quartier Kingasani dans la commune de Kimbanseke la nuit des dimanches 14 à lundi 15 mars 2021 puisqu'elle s'est retrouvée enceinte et l'avortement n'a pas réussi. Elle a laissé entendre qu'elle était séquestrée avec d'autres filles depuis plus de 5 mois. La petite âgée de 17 ans révolue explique qu'elle a été enlevée un certain jeudi sur la 9e rue Limété à 18h alors qu'elle est rentrée chez elle dans la commune des Matété. C'était une Jeep blanche qui avait à son bord deux dames et un homme qui ont manifesté leur volonté de me déposer à la station vers l'échangeur de Limété. Arrivées à la 16e rue, elles ont bloqué les portières et le monsieur qui était derrière m'a mis un mouchoir à la bouche et c'est là que j'ai perdu connaissance, a-t-elle révélé. Elle a précisé qu'elle a ouvert les yeux les jours suivants et s'est retrouvée parmi plus de 10 belles jeunes filles. Ces dernières se sont moquées d'elle. Elle me disait « Bienvenue à la prison ». Ici, on ne parlait pas, on exécute juste les ordres de la cheftaine sans poser des questions, sinon on te tue, a-t-elle raconté. Dans cette maison, tout y est, à manger, à boire, les vêtements, la télévision avec un abonnement, un jardin et une piscine. Chacune a droit aux bandes hygiéniques pendant la menstruation. Chaque soir, on faisait la fête. Et il y avait des véhicules qui accompagnaient des gens dont nous étions obligés de servir sexuellement des grès ou des forces avec des yeux bandés. Un homme a droit de coucher avec trois filles, ensuite il paye auprès de la cheftaine, soit en chèque, soit avec de l'argent en espèces, a dit cette victime. Les autorités compétentes sont ici interpellées pour mener les enquêtes et traquer ces malfrats pour qu'ils payent de leurs violences sexuelles. Plus de 600 Koulounas vont rejoindre cette semaine les centres d'encadrement Kanyama-KCC, dont la province du Olomami, a annoncé le mercredi 24 mars le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwika. Sophia Zaourate pour les détails. Avec des moyens de bord, plus de 600 Koulounas sont attendus au centre d'encadrement des Kanyama-KCC qui se trouve dans la province du Olomami. Cette annonce a été faite le mercredi 24 mars 2021 par les commandants du service national, les général-majors Jean-Pierre Kasongo Kabwika. Et dès ce samedi 27 mars, leur évacuation commencera pour les comptes de la troisième vague. Les quatrièmes groupes suivra quelques jours plus tard. Toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne leur prise en charge, a rassuré le commandant Kasongo, signalant que ces Koulounas sont attendus au centre agricole des Kanyama-KCC pour une rééducation socio-professionnelle. Pour rappel, les autorités ont levé cette option de transférer ce jeune dans les centres agricoles des Kanyama-KCC pour mettre fin au phénomène Koulouna dans la capitale Kinshasa. Voie urbaine, on en parle dans ce journal. L'avenue Itaga dans la commune de Barumbu n'est plus praticable depuis un certain temps. Cette artère qui mène vers les centres d'affaires de Kinshasa en passant par le marché central est délabrée. Les usagers de cette avenue ont lancé un SOS aux autorités compétentes pour voler à leur rescousse en réhabilitant ces tronçons. Alice Kebangui Généreuse Sengo était sur place pour les constats. Nous sommes sur l'avenue Itaga, dans la commune de Barumbu, sur l'avenue qui mène jusqu'au marché central de Kinshasa. Pendant la saison de pluie, le constat qui est fait est amer. Cette section routière est dans un état de délabrement très avancé, étant donné le nid de poules qui jonchent et qui ont été créés par l'absence de canalisation d'eau. D'après le témoignage recueilli sur place, cette situation rend difficile la circulation, non seulement pour les véhicules, mais aussi pour le piéton. Nous demandons à notre bourgmestre de la commune de Barumbu et les autorités de nous arranger cette route. Les autorités passent par ici, mais en aucun jour ils ont pensé à réhabiliter cette avenue.
Ils ont fermé les grands marchés. Alors, c'est dans les quartiers que nous vendons. L'avenir doit être propre pour que nous puissions bien travailler. Nous vivons dans une saleté indescriptible. Regardez les niveaux d'eau sale qui stagnent. Nous avons des enfants. Nous avons nos mamans qui travaillent ici. Nous vivons comme dans la forêt, comme si l'État n'existait pas. Face à cette situation, les usagers ont sollicité l'implication de l'État congolais pour la réhabilitation de cette artère. L'insalubrité ambiante à Kinshasa ne laisse pas sans voix les Kinois critiques et dégoûtés. Et c'est lamentable du député état de l'environnement quinois en ces mois de mars où il pleut presque chaque jour. Suivez à ce sujet la réflexion de votre rédaction. Le spectacle crève-cœur qu'offre l'environnement quinois après la pluie ou une succession de pluies sur la capitale mérite bien une invective à contenu des Quinois, autorités comme peuple, chacun d'eux ayant sa part des responsabilités dans l'insalubrité pendante de la mégalopole congolaise. En ce mois de mars finissant, il pleut chaque jour à Kinshasa. Les ondées ainsi que les fines et longues pluies se succèdent. Deux types de pluies qui amènent érosion, diffusion de saleté, flux et permanence des eaux partout. Ces pluies constituent le test d'appréciation du peu d'efforts et de sérieux avec lesquels les Quinois abordent les questions liées à l'entretien des routes et caniveaux et de l'incurie ou de l'irresponsabilité face aux exigences de la salubrité environnementale. La diffusion des saletés à Kinshasa et l'envahissement du milieu par les eaux narguent les Quinois. Face à la persistance ou à la tradition, on se demande jusqu'à quand il faut attendre et que faire pour que les Quinois intégrisent les conditions de la bonne tenue des routes et caniveaux, de même que celles de la salubrité environnementale. En attendant que les Quinois se révoltent face à l'insalubrité ambiante, il reste et demeure dégoûtant de sortir de chez soi quand les précipitations tombent chaque jour. À moins qu'on nous dise que les Quinois ont perdu tout sens d'honneur et toute flamme des responsabilités en eux. Autant les Quinois s'investissent pour faire ce qu'ils aiment bien faire comme la parlotte et l'ambiance, autant ils doivent mettre leur point d'honneur à maintenir Kinshasa propre. En culture, l'artiste et musicien congolais Josky Kiambukuta, ancien de l'orchestre Hockey Jazz et des Bana Hockey, sera inhumé le 3 avril prochain à la nécropole entre ciel et terre à Kinshasa. Selon un document du ministère de la Culture et Arts, ce communiqué précise que la levée du corps aura lieu à l'hôpital du cinquantenaire dans la commune de Kassavubu, où il est prévu une cérémonie funéraire en sa mémoire pour lui rendre les derniers hommages dignes de son rang et sera suivi d'une autre cérémonie de déplacement de la plaquette commémorative le même jour à la place des artistes au rond-point Victoire dans la commune de Kalamu. En sport, deuxième victoire d'affilée pour le Daring Club Motema Pembe aux prises avec Academy Club Rangers. Mercredi 24 mars au stade Martyr, cette victoire de 3-0 propulse les Immaculés à la 6e place avec 27 points. Sami Bosongo pour le détail. Malgré l'absence de ses internationaux partis avec les Léopards à Franceville au Gabon, le Daring Club Motema Pembe a étalé du grand jeu face à AC Rangers jeudi 24 mars au stade de Martyr de la Pentecôte. Junior Koné, vie révoltant, en a fait voir de toutes les couleurs à AC Rangers. Buteur de la 15e minute, il est revenu à la charge à la 42e minute pour son doublé. Junior Koné va encore s'illustrer en seconde mi-temps en faisant la passe à Sidi B qui signera le 3e but du DCMP. Score au terme de la rencontre, 3-0 pour les Immaculés. Notez que les autres rencontres programmées n'ont pas eu lieu en raison des difficultés de la compagnie aérienne Congo Airways pour assurer le voyage des équipes. Jusqu'ici, le tout-puissant Mazembe trône dans le classement provisoire avec ses 48 points plus 29 de différence de but après 19 duels. Il est suivi de l'association sportive Vita Club, 38 points plus 17 de goal à virage au terme de ses rencontres. Et le Saint-Éloi Lupopo est troisième grâce à ses 38 points plus 9 de différence de but après 21 matchs joués. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. Cité dans les dossiers de l'assassinat de Floribert Chebeya,
est Fidel Bazana, l'ancien inspecteur des forces armées de la RDC. Le général John Numbi est en fuite hors du pays, renseigne l'avenir. D'après Georges Kapiamba, qui a alerté sur cette fuite, John Numbi s'est trouvé actuellement au Zimbabwe. Et d'après le vice-ministre de la Justice, Bernard Takeiché, le gouvernement travaille pour son extradition, bien qu'il ne soit pas officiellement informé de sa présence au Zimbabwe, ajoute le journal. Mais ce qui est sûr, conclut le tabloïd, les mécanismes de vérification est déjà lancé. Le général John Numbi Banza Tambo, c'est lui qui affirmait ne pas être un agneau après son remplacement à la tête de l'inspection des FARDC, a quitté sa ferme de Lubumbashi pour une destination inconnue. Forum des As relève que c'est depuis le mardi dernier que l'auditorat général, près la haute cour militaire de Kinshasa, a émis un mandat d'arrêt contre le général d'armée John Numbi Banza Tambo, ancien inspecteur général de la police nationale congolaise, jusqu'au 1er juin 2010, jour du double assassinat de deux défenseurs de droits de l'homme, Floribert Chebea, Baïziré, dit Flori, directeur exécutif de la VSV, et son compagnon d'infortune, Fidel Bazana Edadi, le chauffeur chargé du dispatching courrier dans ses locaux. John Numbi, sous les coups d'un mandat d'arrêt international, titre pour sa part MediaCongo.net. En cavale, en Zambie, aux dernières nouvelles, le général John Numbi est cherché par la justice militaire de la République démocratique du Congo. Un mandat d'arrêt international vient d'être lancé contre lui, détaille les sites web. Il est désormais l'objet d'un mandat d'arrêt du parquet militaire, à ne pas confondre avec un mandat d'amener qui a valeur de mandat de prise de corps, c'est-à-dire là où l'arrêt, il est immédiatement conduit en détention préventive, en prison. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Les comités de conjoncture économique notent une légère amélioration du franc congolais, ce grâce au respect du pacte de stabilité économique signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Il existe un réseau de proxénétisme qui enlève les jeunes filles à Kinshasa pour les séquestrer et les exploiter sexuellement dans une villa dans la commune de Lancele. L'avenue Itaga dans la commune de Barumbu n'est plus praticable depuis un certain temps. Cette artère qui mène vers le centre-ville est délabrée. Les usagers de cette avenue ont lancé un SOS aux autorités. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.